Mustaqab al-Haq, comité de suivi des recommandations de l'instance Équité et Réconciliation. Cette exposition des photos essaye d'expliquer le travail qui a été fait par l'instance Équité et Réconciliation, cette instance qui a été faite le 7 janvier 2004 à Agadir. Alors, à partir de cette photo, on voit le travail de l'instance Équité et Réconciliation, les réunions, les rencontres avec les victimes. Une partie des photos raconte les auditions publiques qui ont été faites en 2005 à travers cette ville du Maroc. Et après, il y a les séances thématiques qui ont été faites au CNDH, CCDH dans le temps. Après, il y a une photo qui avec la fin du travail de l'instance Équité et Réconciliation. C'est la rencontre des familles au Palais Royal. C'était un moment très très fort dans cette histoire qu'on essaye de raconter. Et après, on trouve des photos du travail du comité de suivi qui ont un impact sur les familles, avec la question de la mémoire, avec la question de la vérité. Au milieu, on va trouver les photos des membres qui ont été décédés de l'instance Équité et Réconciliation. Alors l'importance de cette exposition, c'est qu'on essaye durant toute cette année d'accueillir des jeunes qui viennent voir une partie de leur histoire, qui n'ont pas vécu à leur jeunesse. Alors on essaye d'expliquer ce qui était passé dans le Maroc durant ces 20 ans.